Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, je vais faire des puzzles. C'est un jeu qui est gratuit sur Steam, qui est tout mignon, tout choupi, super relaxant, sans prise de tête. Ça s'appelle How Buddy's Parents Met. Donc Buddy, en fait, c'est le petit chat. Il était le chat du monsieur qui est là. Et on voit du point de vue du chat comment le monsieur a rencontré la madame. Donc c'est tout mignon comme histoire. Donc j'ai déjà fait le premier puzzle. L'amour au premier regard. Et on voit qu'il y a plusieurs niveaux, donc je vais vous montrer parce qu'il y a aussi des options. Donc là, il y a les puzzles avec 135 pièces. Au début, on n'a que le premier puzzle qu'on peut faire. Et une fois qu'on a fait le premier, on peut le débloquer le deuxième. Une fois qu'on a fait le deuxième, on peut débloquer et faire le troisième. Et ainsi de suite, il y a 6 puzzles en tout. C'est 135 pièces. Ensuite, c'est 240. C'est les mêmes puzzles, hein, à chaque fois. Ensuite, 375. Ensuite 540 et ensuite 735. Donc plus ça va, plus la difficulté augmente. On obtient des succès sur Steam, bien évidemment, si on les fait tous. On va cliquer sur l'amour au premier regard. On peut cliquer ici, bien sûr, là on peut changer le son de la musique. C'est pour réduire ou augmenter la fenêtre. Ah, vous le voyez quand même sur mon stream, c'est génial. Ok, je me disais, j'allais dire, mais vous allez pas le voir, mais ici en fait. Et là c'est pour retourner au menu. Voilà, on peut aussi changer les langues. Donc il n'y a pas français, malheureusement, mais franchement, le texte n'est pas compliqué. Hein. Et sinon, ici, donc là, ça nous permet de zoomer, donc pour voir très loin. Ça veut voir toutes les pièces. Et pour voir aucune pièce. Alors là, on fait comment pour faire le puzzle, les gars? Mais bon, je pense que c'est une fois qu'on a mis les pièces, si on veut espionner, qu'est-ce que... Est-ce qu'ils se touchent, là? Est-ce que les mains se touchent? Non, pas encore. Presque à 1 mm près. À 1 mm près. Ça re-shuffle les pièces, mélange, remélange. Ici, on peut voir l'image, donc ce qui est bien, c'est que, regardez, par exemple, je vais mettre une pièce ici au hasard, et je mets l'image, je vois où est ma pièce, elle est là. Un petit peu par transparence, et du coup, je fais « Ah, ça doit être là !» Ouais, c'est pour tricher un petit peu. Et ce qui est bien aussi, c'est quand vous placez une pièce bien là où elle est, et bah, quand j'y arriverai, bah, ça doit être plus vers là. Ah, voilà, ça met des petits cœurs, donc ça vous dit que oui, la pièce vient bien là. Mais regardez, si par exemple, je mets des grosses conneries, moi, genre, je sais pas, comme ça, là, à peu près. Vas-y. Elle a les yeux vers là, là, on est d'accord, hein. Ouais, un petit peu près. Voilà. Donc là, si je remélange les pièces, pouc, ça remet celles qui étaient pas bien placées dans le tas. Par contre, celles qui sont bien placées, déjà, je peux plus les bouger, je peux plus les resélectionner. Mais en plus de ça... j'ai pas à m'inquiéter, ça ne va pas les remélanger si je clique là-dessus, donc ça c'est super. Donc ça voilà, pour voir par transparence, ça, je sais pas pourquoi, c'est si vous voulez le mode nuit. Si vous avez un petit peu mal aux yeux, et jour. Nuit, jour, nuit, jour. Pour ceux qui ont vu Les Visiteurs, vous comprendrez ma référence. Et ça, bah, ça vous explique un peu les commandes, voilà, comment jouer. Donc ça vous explique en fait ce que je viens de vous expliquer. Et là, ce qui est très bien, c'est que si vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir de voir les coins. Ah, mais attends, là j'ai tous les coins, ça m'aide beaucoup. Voilà, par exemple. Je sais pas pourquoi, les coins. Mais ouais, ça vous permet de voir les coins. Ok, donc en gros, vous êtes bien aidés. Voilà, voilà. Donc je vais faire le puzzle. Là, je suis en stream sur Twitch. Donc je vais le faire en papotant avec le chat. Et je vous retrouve une fois que le puzzle est fini et que j'ai à mettre la dernière pièce. Et voilà, nous avons la dernière pièce qui est ici. Vous êtes prêts? Ta-da! La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Forrest Gump. Donc là, ils sont en train de se battre pour la boîte de chocolat. C'est la mienne. Non, c'est la mienne. Mais je l'ai vue en première. Ouais, mais non, c'est moi qui la veux. Alors qu'en fait, il y en a plein d'autres. Mais ça a été leur première interaction. Ils ont voulu prendre la boîte et... Qui a lâché la boîte en premier? Je vous laisse mettre vos paris dans les commentaires. Alors ne faites surtout pas restart là. Faites menu. Sinon, vous allez devoir recommencer le puzzle du début. Voilà, donc on va faire le deuxième. Tellement proche et pourtant si loin. C'est parti. Voilà, j'ai mis toutes les pièces, il en manque plus qu'une. Est-ce que vous êtes prêts? Ta-ta! C'est ce qu'il y a de drôle à propos de la destinée. Ça arrive que tu l'aies planifié ou non.
Oh, c'est Ted de Comment est-ce que j'ai rencontré ta mère? How I Met Your Mother. Ok, menu. Qui a vu How I Met Your Mother? Alors, on va faire le troisième puzzle maintenant. Donc, en fait, ils se sont retrouvés tous les deux au même endroit. Donc, j'imagine que c'était une réunion ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ils sont allés à leur première date. La première Team date. YouTube, vous êtes prêts? J'ai la troisième, la dernière pièce, pardon, qui est là. On y va. Leur première date. Tu ne peux pas aller directement à la fin. Le voyage, c'est la meilleure partie. Robin dans How I Met Your Mother. Alors, je sais pas si j'ai traduit bien, mais en gros, l'idée, c'est ça. Ok? Menu. On a débloqué le quatrième puzzle. Ah, il ne rappelle pas. Elle ne rappelle pas. Mais attendez. Vous savez, c'est toujours... Bon, attendez. Attends. Il faut que je laisse 3 jours avant d'envoyer un message ou pas. Lol. Je note quand même que pour des puzzles pour 3 ans, tu as besoin d'aide. Pour la team YouTube, c'est Ola qui me dit ça. Je vais mettre ça dans la rediffusion. Je te défie, Ola, de faire ce puzzle et de me mettre la vidéo sur YouTube. On verra combien de temps tu mets à faire les puzzles. Ouais. Je vais mettre la dernière pièce. Parfois, ce sont les imperfections qui font que tout est parfait. Marie, dans The Big Bang Theory. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Menu. Attention, l'avant-dernier puzzle. La journée est belle et ils sont sous la pluie. Oui. Nous sommes à la dernière pièce. Est-ce que vous êtes prêts? Dadin. L'un de ces moments où tout est parfait et tellement merveilleux que tu as le sentiment que rien ne pourrait être aussi parfait encore. Rory. Dans Gilmore Girls. Je n'ai pas regardé cette série non plus, vous l'avez regardé, vous? Alors c'est trop mignon, le chat, il voulait attraper une plume, c'est pour ça qu'il est monté sur le panneau. Oh, l'inattendu. Dernier puzzle. Je mets la dernière pièce. Il y a aussi 2 chats qui se sont rencontrés, c'est trop mignon. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est dans ce premier baiser. Rachel, dans Friends. Oh, c'est trop mignon. Même les oiseaux, ils se font bisous bisous. Menu. Et voilà. Alors là, vu que j'ai débloqué tous les puzzles avec 135 pièces, je les ai aussi tous débloqués avec les autres pièces. D'accord. Je me disais, en fait, est-ce qu'il y aura besoin là aussi de les faire un par un pour débloquer petit à petit? Mais non. D'accord, super. Bon, et bien voilà, mes amis, c'était le jeu. Donc vous pouvez faire le puzzle en facile avec 135 pièces, sinon plus difficile, plus difficile, plus difficile. Et le maximum de difficulté, c'est avec 735 pièces. Ça vous donne des succès sur Steam, si jamais vous le faites. Donc peut-être que ça débloque des badges, des cartes, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire si vous le faites. Je vous remercie d'être venu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez me soutenir, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Oh.